reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Invité dans l'émission de Canal en aparté ce lundi 18 septembre, l'actrice et réalisatrice Arielle Dombasle est revenue auprès de Nathalie Lévy sur son parcours et sa carrière. Elle n'a pas pu feindre l'émotion lorsque Nathalie Lévy lui a montré une photo de son mariage avec Bernard-Henri Lévy en 1993. Ça m'émeut doublement parce que tous les gens autour sont morts et il reste nous. Trop beau, a-t-elle exprimé la gorge nouée dans le programme de Canal. Elle en a aussi profité pour raconter son coup de foudre pour le philosophe lorsqu'elle a vu son visage sur la couverture du livre La barbarie à visage humain. Pour moi, j'ai tout de suite vu le visage du Christ, j'ai vu quelque chose de sombre et comme de la cendre dans les yeux, quelque chose d'extraordinairement romantique et mélancolique et je me suis dit, mais bien sûr, c'est l'homme, je suis faite pour lui. Et voilà, a-t-elle raconté à Nathalie Lévy. À lire également, je me suis évanouie tellement je me trouvais horrible. Arielle Dombasle évoque sans filtre une de ses apparitions de cinéma qu'elle a détesté. La grosse tête de Laurent Ruquier a aussi profité de son passage dans le programme de Canal pour donner quelques détails sur sa relation avec BHL. J'aime le surprendre, vous savez. Je crois que c'est ce que toutes les femmes doivent faire dans la vie, rien n'est jamais acquis. A-t-elle exprimé avant de concéder qu'il se vouvoyait toujours. Arielle Dombasle était présente dans le programme de Canal pour faire la promotion de son nouveau long métrage sorti dans les salles obscures le 13 septembre dernier intitulé Les secrets de la princesse Cadignan. Elle y incarne le rôle titre, une donjuan femme qui va enfin trouver l'amour, le vrai. Le casting du film est aussi composé de Julie Depardieu, Cédric Kahn, Michel Faux, ainsi que...